Et bonjour, donc nous voici pour une petite présentation des 4 jeux Beatles qu'on a reçus de chez Théorie 11. Donc on a le vert, l'orange, le rose et le bleu, et je vais vous les montrer un par un. Très flashy au niveau des étuis, qui est très très beau. Effectivement. Les étuis sont gaufrés, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Donc on commence par le vert. Donc comme son habitude, on va montrer la face de l'étui. Donc un étui qui est un petit peu brillant, comme on peut voir là, si je fais un petit peu des mouvements comme ça. Un étui qui est gaufré. Donc ça apporte toujours une petite impression de qualité quand on regarde l'étui. Donc c'est toujours très joli quand c'est comme ça. Le dos, on a la représentation du dos de la carte. Sauf que les couleurs, bien évidemment, ne sont pas identiques. Là, c'est pour la beauté de l'étui. La carte sera entièrement verte. Sur le côté, il traverse le passage clouté. Ah bah ça, moi c'est là tu me parles comme si tu me parlais chinois. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, donc Théorie 11 et Premium Playing Card. Donc des cartes de qualité première. Allez, c'est parti. Donc quand on ouvre l'étui, dedans il est ouvert. Dedans il est ouvert. Voilà. Le vert de l'espoir. Allez. Donc quand on étale, on a une représentation d'un jeu qui se... Bien taillé au niveau des marges. Qui se voit comme ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, au premier coup d'œil, quand je l'ai déballé, on a des marges qui sont quand même assez bien respectées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc c'est très bien. J'ai essayé de regarder une asymétrie, j'en ai pas trouvé. Alors, est-ce qu'il y en a une, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Du moins en allant vite, donc je considère que ce jeu n'est pas asymétrique. Au niveau des faces, on voit ça. Donc c'est quand même bien, on a bien la distinction entre les rouges et les noirs, contrairement parfois à d'autres types de jeux. Donc c'est un jeu qui est largement utilisable sur un public profane, puisqu'on voit bien quand même les piques, les cœurs, les trèfles et carreaux. Même si la calligraphie n'est pas habituelle pour nous par rapport à un jeu bicycle, bon. Une personne novice, il n'y a aucun souci, elle voit bien que c'est un 8, elle voit bien que c'est un 10, il n'y a aucun souci. C'est plus orange que rouge, non ? C'est plus orange que rouge, c'est même pas rouge du tout, même c'est orange. Ok, allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on reçoit comme carte ? Là, pas grand-chose sur ces jeux, on a juste deux cartes, on va appeler ça deux cartes publicitaires, tout simplement. Et le dos ? Et le dos, c'est le même. Ah, c'est le dos, d'accord. Voilà. Nos deux jokers qui sont strictement identiques. Voilà. Et on va attaquer. On dirait du cirque. C'est vrai, en regardant comme ça, tout à fait, ouais. Et c'est parti. Allez, les as, on les met sur les côtés. Et on verra après. Allez, on attaque avec la série des cœurs. Enfin, normalement, on finit toujours avec les séries des cœurs. C'est parce que j'ai dû... passer les cartes une par une. Allez, c'est parti. Donc, orange et vert. Donc en fait, la couleur de l'étui. Hein. Voilà. Les figures. Donc le valet. La dame. Le roi. La série à trèfle. Là, on verra après. Donc les trèfles sont noirs avec du violet à l'intérieur. Donc c'est vrai que le design, hein, si on compare du bicycle, est forcément différent. Mais ça reste largement compréhensible, même envers un spectateur. Hop. Un série à carreaux. Bon, voilà, même pas j'en parle, parce que moi j'en connais aucun. Si tu dis les noms, peut-être que ça, je vais dire ah oui, effectivement, mais je ne pourrais pas dire la tête. Harrison, Lennon. Il me manque un. Le Barthez après, non ? Ah, c'est pas des joueurs de foot ? Et... Il me manque un. Hop, la série à carreaux. Et la série à pique. Donc là, noir et bleu à l'intérieur. Et on termine ce coup-ci par le pic.
Alors les quatre as, ben, comme son habitude, hein, l'as de pique, celui qui est le plus décoré. Donc à l'envers, c'est quoi là? Un phoque, je sais pas ce que c'est à l'envers. C'est un phoque. Ouais. Là, un raton laveur, un poulpe ou une pieuvre, ça dépend. Et peut-être une hirondelle ou ouais, vu du dessus, c'est un peu. Voilà. Donc ça, c'était la présentation du jeu Beatles en couleur.